Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on travaille à nouveau un peu le rythme à la guitare. Ça fait pas de mal, ça permet de s'entretenir. Allez, on est parti. Alors, vous allez de temps en temps entendre un bruit de grosse caisse derrière moi. C'est qu'en fait, je suis équipé maintenant d'une stomp. Une Stompbox, c'est une pédale qui vous permet d'avoir, quand vous êtes tout seul, d'avoir un kick ou une caisse claire et ça peut vous aider à travailler. Alors, ça remplace pas le travail au métronome, ça vous permet de l'améliorer. L'idéal, ce serait d'avoir le métronome et la stomp, de façon à ce que vous soyez calé dessus. Et là, si on dit que je suis sur une, je tape à la noire, on va taper à la noire sur un mi. Donc ça, c'est assez simple à faire. En restant toujours sur ma frappe à la noire, je vais venir faire des croches. Donc, c'est un outil qui peut vous permettre de revenir sur plein de choses. À partir de là, vous allez pouvoir aller travailler plein de choses. Si on prend un morceau d'ACDC, il y a un morceau qui fait ça. Dans les temps, on est un petit peu à côté en permanence. Après, on peut aller jouer avec ça. C'est un outil qui va vous permettre de rajouter un peu des choses autour, de vous permettre de travailler tout seul avec votre guitare et puis d'aller chercher des rythmes un petit peu, peut-être un petit peu différents, ou en tout cas de vous entraîner dessus. Alors là, on est resté très carré, on travaillera peut-être un peu plus tard des choses un petit peu en décalage, un peu laid back sur les rythmiques. C'est aussi sympa d'avoir des choses qui traînent un peu ou d'avoir un coup dans le temps, un coup à côté. On verra ça une autre fois. Allez, pour l'instant, vous avez un peu de boulot. Allez, plus tard. Ciao, ciao.